Nous allons nous mettre debout. On lit le message de ce matin qui est tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. On acclame très fort pour celui qui vit à jamais. Tobeti maboko makasi pona nkolo wa umeli libela na libela. Kolo Yesu rambo yakamo tote. Ata yo jali mabe ndengenyoso. Akobenga yo solo ozonga epai na ye. Ako bongo la yo okoma mosatu. Tata nzambe ye aboyaka moto te. Ata yo jali mabe ndege nyoso. Ye ako benga yo ndeko ozonga epai na ye. Ako bongo la yo okoma mosatu. Ago go 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 ali koruka mabadena e o amunga kika kana nakati ya lopango ya tatana ngayo kozonga mozo epaina yesu epaina ye o gogo okota nakati ya lopango Yesu ansi na kikoku fekayo Akamata keme kumba na yonyoso Akobenga yo ani Osonga epai na ye Yaka oka mata elonga na konjima Go 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 nazali koluka Papate na Yesu Babunga kikala na kati Ya lopango ya tatana ngayo Kozoka Ozo Epai na Yesu Epai na ye Okokota Okota na kata lopango Ako pambola Ako bikisa Ako balisa Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakatalo pango Yopate Koyoka sonite Jezi azali na yomawa Yaka Yesu akobe Yonansi Yoka liloba Yangolo Yesu Azali kobyanga Yo epaina ye Okozonga Wazonga epaina ye Yaka epaina ye Okokota Okota nakatalo pango Alleluia Okozonga Wazonga epaina ye Epaina ye Okokota Okota nakatalo pango Akobalisa Akopambola Akobikisa Akosik Epaina ye Okokota Okota nakatalo pango Alleluia Okozonga Wazonga epaina ye Epaina ye Okozota Okota nakatalo pango Tika lokuta Tika lolendo Tika moibi Epaina ye Tika nyonso Okokota Okota nakatalo pango Tika mibali ya bato Okozota Ozong epai na ye Okokota Okota na
Ti kape basi abatwe ozo ozo kepai na ye ogota ogota na katalo pango yompate koyoka sonite Jésus anzali na yo mawa yaka Yesu akobe Yokaliloba Yakolo Yesu Hazali Kobyanga Yo epaina ye Tika Yekobo Tika Kolagwa Tika Koshina Tika Badenda Tika Nyonso Yonakata Alleluia Azoge pai e pai na ye o kota na katalo haleluya azoge pai na yesu tikali kunya tikakindoki tikakotonga tikakoloka tikanyonso azoge mwasi tikakote ya gaga Okota nakata Alleluia 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 Okozo Okota nakata lopango Yopate Koyoka sonite Jésus azali na yobawa Yaka Yesu akobe Oh Martine Yoka liloba Yakolo Yesu Hazali kobyanga Yo epaina ye Kokota Oso epaina Yesu Epaina ye Kokota Kokota nakata lopango Tika kosana Tika lolego, tika koyiba, tika koshina, wega nyonso Okota, okota nakata lopango Magistra, okozonga, ozonga epaina ye Okota, okota nakata lopango Son Excellence, Monsieur le Ministre Okozonga Epaïna Yesu, député, sénateur, fonctionnaire, président, les rois, Oni, Obama, Hollande, Tikanyonso, Okota, Nakatalopa. Nous avons terminé avec l'église de Sardes le dimanche passé. Silisaki n'église na salade de Lomingo Eleki. Nous avons fait comprendre à l'Église qu'après le réformisme de Luther, s'en suivit la réformette. Les gens étaient versés dans les formalismes. Ils voulaient paraître au lieu d'être. Or, nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas seulement être, mais nous devons aussi avoir pour partager. Le sommeil s'installa. Il n'y avait plus la vie des prières intenses. Il n'y avait plus la vie des jeunes intenses. Les gens disaient que le Seigneur avait déjà jeûné pour nous. Tout ça parce que les gens aiment manger. Un chrétien, un pasteur, qui ne prie pas assez, qui ne jeûne pas beaucoup, ne verra pas la main de Dieu dans sa vie. La Bible déclare Bible que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Bien aimé, écoute.
Moulingamiyoka. Lorsque tu gères, tango zali kokila, il y a une dimension humaine en toi qui disparaît. Et puis melo na bomoto, et je voudrais que la médecine explique ces choses. Na lingi médecine, lorsque nous gérons à serre, tango tozali kokila kokoka, les globules blancs se détruisent. Globule blanc ezali ko bebisama. Il y a une opération spirituelle qui se passe. Ezali na likambo moko na molimo ezali kosalema. Le charnel devient spirituel. Ezali kosala ete mosuni ezali kokoma molimo. Moulingamiyoka. Comme Luther avait parlé du salut par la foi, Luther a l'obaki na l'obiko na zana kondima, qu'il suffisait seulement d'avoir la foi. Et c'est là qu'il a mangé aux zana kondima. Or Paul avait dit, wana Paulo a l'obaki, que la foi sans œuvre était kondima wana zengi misala yango ezali akokufa. Mais nous avions terminé ce message par des félicitations adressées au Seigneur à ceux qui n'avaient pas sali leurs habits. Il dit à ceux qui ont gardé les vêtements blancs, ils devaient confesser leur nom devant son père et devant les anges. Oh, laisse que ce matin que Jésus puisse confesser ton nom devant son père et devant les anges. C'est pour cela qu'il est notre médiateur. Il est notre avocat. Les problèmes que tu as, quand tu as les habits blancs, c'est Dieu qui les porte aux oreilles de l'Éternel. Je voudrais demander au Seigneur de porter les problèmes des enfants de l'image de l'Éternel aux oreilles de son Père. Il y a des prières qui peuvent pas arriver. Les prières faites par les hommes, mais la prière faite par Jésus arrive toujours. C'est pourquoi la Bible dit, lors de la résurrection de Lazare, il déclara, je cite, Père, tata, je sais que tu m'as toujours exaucé. Fin de citation. Je ne sais pas qui prie pour toi. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui dois prier pour toi. La Bible dit ceci. Si je suis en vous, et vous en moi, demandez alors les drames avec les Quinois. Même quand les dents et vies, ils veulent demander. C'est pourquoi, avant de demander quelque chose au Seigneur, il faut avoir la parole. C'est ainsi que dans l'église primitive, ils étaient assidus au temple chaque jour. Dans cette église, nous nous prions chaque jour. Le système des apôtres. Tu n'as pas qu'à attendre le dimanche pour venir. Le Dieu n'est pas un Dieu de dimanche. Mais c'est un Dieu d'aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire si ce n'est pas votre cœur. Vous savez, la méconnaissance de la parole de Dieu, c'est le plus grand drame. Pourquoi Moïse avait un visage rayonnant sur la montagne? C'est parce qu'il était en contact avec le Seigneur. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Plus tu fréquentes l'église, plus tu auras le visage de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui s'appelait Samuel. Samuel avait compris le mystère de la présence dans le temps. Samuel a ce cela qui la Bible dit qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le fait de venir à l'église, c'est déjà une bénédiction. Vous ne savez pas. Chaque fois que nous venons à l'église, Dieu envoie les anges. Si les anges refusent de venir, il enverra Pierre et Jean. Et avant d'entrer dans le temple, Pierre et Jean ont toujours l'habitude de contrôler qui sont en dehors du temple. Mais bien aimé, s'ils ont contrôlé ce qui était à l'extérieur, est-ce qu'ils allaient négliger ce qui était à l'intérieur? C'est pourquoi la Bible dit qu'ils venaient au temple à l'heure de la prière. Les enfants de Dieu connaissent l'heure de la prière.
À moins que tu aies un empêchement. Pour venir en retard. Mais l'enfant de Dieu connaît l'heure de la prière. Je voulais dire à quelqu'un que dans les affaires de Dieu, il y a le mystère du premier arrivé. C'est pourquoi dans la piscine, ne pouvait être guéri que celui qui est entré le premier. Et lorsque celui qui était entré le premier en cellier reçoit les bénédictions de Dieu. Ça, ce sont les habitudes de l'église de Sardes. Nous sommes au 17e siècle. C'est ainsi que la vie était devenue froide, maussade, terme, dans l'église. On ne sentait plus la puissance de Dieu. Comme le Seigneur aime son église, il sait toujours susciter des hommes courageux qui peuvent accepter de les servir avec beaucoup de dynamisme. Pendant que ces gens avaient sali leurs habits, Dieu commença à susciter des prédicateurs. Le premier mouvement commence en Allemagne. C'est ainsi qu'on a eu les gens comme Philippe Jacob Spener. Lui, il s'était mis debout. Il a dit qu'on ne prie pas Dieu comme ça. Vous faites des petites prières de 2 heures. Après, vous dites que vous avez beaucoup prié. Ça, c'est la distraction. Le Seigneur, notre maître, il passait des nuits entières en prière. La nuit, à au moins 8 heures. Je ne sais pas qui est-ce que toi tu imites dans la vie avec tes prières là de 2 et 3 heures. C'est difficile que vous puissiez voir les anges comme Pierre. La Bible dit, priez sans cesse. La prière, c'est une arme fatale. Plus fatale que la bombe atomique. Avec la prière, tu peux neutraliser tous les sorciers du monde. Toutes les prières que tu as déjà eu à faire dans ta vie, que toutes les ennemis soient neutralisés au nom du Seigneur Jésus. Même un prédicateur qui veut avoir un ministère puissant, ça doit être un homme de prière. Ce n'est pas quelqu'un qui passe toute sa vie devant sa télé. Le pasteur doit d'abord parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Au 17e siècle, avec les protestants, c'était le sommeil généralisé. Ces démonages se souviendront que dans les années 60-70, quand les missionnaires sont arrivés ici, la vie des jeunes était très rare dans l'église. C'est l'esprit là de Sardes qu'il voulait nous amener. Mais Dieu suscita les gens. Et je voudrais préciser que lorsque je dis que c'est le protestantisme qui a suivi après Luther qui a mené le sommeil, ce ne sont pas tous les protestants qui avaient fait cela. Parce que depuis le commencement de l'église, l'église n'a jamais traversé une période totale de ténèbres. Il y a toujours un groupe. Je voulais dire à quelqu'un que tu fais partie de ce groupe-là privilégié que Dieu s'est toujours gardé et que tu as un rôle à jouer pour que l'église de Christ puisse aller de l'avant. Quand Philippe Jacob Spener se met debout, il était suivi par les gens comme les Nicolas von Zizeldorf, toujours en Allemagne.
Ces gens-là ont dit qu'on ne va pas laisser l'église mourir. C'est pourquoi nous n'allons pas laisser l'église de Dieu mourir à Kinshasa. Où les pasteurs sortent avec les femmes. Nous allons nous opposer à cela au nom du Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui dit que pourquoi il dénonce cela. On ne va pas laisser les femmes égarer les multitudes. Non. Vous savez, c'est l'inculture. Quand j'entends même les gens dire et Hulda, oh Déborah, Balobi Déborah, mais c'est l'illettrisme théologique. Ça. Dans la Bible, il y a cinq femmes qui ont été appelées prophétesses. C'est Marie, la sœur à Moïse, Exode 15. C'est Hulda. C'est Déborah. C'est la femme d'Ésaïe. C'est aussi Noadia. Mais ces femmes n'ont jamais prophétisé de manière permanente. Ce n'est pas connaître les affaires de Dieu. Les mamans, je vous dis encore, il faut arrêter. Mais les femmes peuvent avoir les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie. Elles peuvent devenir même présidentes de la République. Il y a les élections en 2016. Au lieu de nous embrouiller à l'église, allez là-bas postuler comme tu aimes le pouvoir. Et même quand les gens parlent de Hulda, Déborah, Noadia, la femme d'Ésaïe et Marie. Non, on est trop bas au Congo. Je vais vous dire quelque chose. Aucun théologien sérieux, à part ces charlatans de la rue, ne soutient le ministère de la femme. Ça n'existe pas dans la Bible. Je vous dis ceci. Les prédicateurs dans la Bible, on les trouvait soit dans les temples, soit dans la synagogue. Aucune femme n'a prêché dans les temples ni dans la synagogue. C'est pourquoi Déborah elle-même, notre sœur, la fille du Seigneur, quand il fallait conduire la campagne militaire, elle a appelé Baruch. Elle dit que la gloire d'Israël risque de tomber sur les épaules d'une femme. Si vous ne respectez pas vos maris, respectez quand même Dieu. Et je voulais le dire à haute voix. Sur le plan scientifique, la seule église qui a des meilleurs théologiens, c'est l'église catholique. Faut pas laisser ce bougre regarder le peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur. Parce que Jacob Philippe Spener, celui qui a commencé, qui a été à l'origine de ce réveil, qu'on a appelé par la suite le pentecôtisme, il est mort en 1705. Pendant qu'il mourait, Wesley venait de totaliser 2 ans. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est pour dire que Dieu se réserve toujours les remplaçants. Les remplaçants de Jésus sur la terre. C'est nous. C'est pourquoi Dieu dit que le monde voit vos bonnes œuvres. Qu'il me glorifie, moi, le Seigneur qui est au ciel. À ce moment-là, les mouvements de réveil n'étaient pas seulement en Allemagne. À la mort de Philippe Jacob Spener, Wesley avoisinait déjà 2 ans. Wesley azalaki kopusa na nambula mibale. Alléluia. Amen. Mais en lui, il y avait la grâce du Seigneur. Kasi na kati na ye ngolu na nzambe azalaki. Il n'était pas le seul. Azalaki ye mokote.
Parce que les mêmes mouvements des réveils, on l'a observé en Suisse. On l'a observé en France. Avec les gens comme Henri Pitt. Ces gens se sont opposés contre le sommeil post-Luther. Il faut quand même que dans une ville, qu'il y ait des gens qui s'opposent au sommeil. Maintenant, quand les gens partent à l'église, on nous parle que des tantes et des oncles qui vous ont bloqué. Laissez la tante et l'oncle tranquille. La Bible dit ceci: la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont vos péchés. Si vous abandonnez les péchés, la tante et l'oncle ne vous feront rien. Et tout ça, c'est la manipulation des esprits. Pour soutirer un peu d'argent. Oui, il faut donner l'argent à l'église. Mais l'église doit enseigner le royaume des cieux. Quand il y a un ordre avec Dieu, il fait des choses même que ce que tu n'as pas demandé. Parmi vous tous là, qui avait demandé à Dieu de les créer, ce mouvement commence en Allemagne, en Suisse, en France, mais il va atteindre son apogée en Angleterre. C'est là qu'on a retrouvé les gens comme Wesley, comme George Whitefield, comme Charles Chaney, comme Jonathan Edward. Ces gens se sont réveillés. Ils ont dit à l'église que la foi seule ne suffit pas, mais il faut des œuvres. C'est à ce moment-là que la vie de prière s'intense et retourner à l'église. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il n'y a pas d'autre secret. Parle longtemps à Dieu, tu verras ton visage changer. Frère, une église, c'est d'abord la prière. C'est ainsi qu'après la mort de Jésus, il leur avait demandé d'aller dans la chambre haute. Ils étaient tous en prière. Pendant qu'ils priaient, il y a un vent violent. Donc, ce qui se passe au 18e et 19e siècle, c'était la suite logique. Nous entrons dans la sixième période de la vie de l'église, qu'on appelle vulgairement le sixième âge de l'église. Comme nous parlons de l'église de Philadelphie, je voulais dire que d'abord, étymologiquement, le mot Philadelphie veut dire amour fraternel. Cette église a existé, comme nous l'avons dit, à l'époque des apôtres. Elle a fonctionné dans ce qu'on appelait l'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. L'histoire renseigne que la ville elle-même a été créée en l'an 189 avant Jésus-Christ, à la suite du conflit qui opposait deux frères. Le roi de Pergame et le roi de Lydie, c'était deux frères. Ils ne s'entendaient pas. Mais après s'être réconciliés, ils décidaient de créer une ville qu'on appelait Philadelphie. Le mot Philadelphie, c'est le surnom du roi Pergame Antolus, qui était le roi de Pergame. Quand
quand cette ville commence à exister, en l'an 17 après Jésus-Christ, elle connut des séismes. C'était une ville qui était sujette essentiellement à des séismes. C'est pourquoi vous verrez dans la promesse qui lui a été faite, Dieu dit que lors de la tribulation, je te garderai. Je savais que Philadelphie était bâtie sur une terre qui jette à des séismes. Quand les séismes viennent, ils n'annoncent pas. Mais ce qui doit t'intéresser, ce ne sont pas les séismes, c'est la promesse de Dieu qui dit que quand les séismes viennent, je te protégerai. C'est pourquoi la Bible dit: il y aura des tribulations dans le monde. Mais sachez que moi, Dieu, je vais vaincre le monde. Les problèmes peuvent chercher à t'arriver. Mais si tu es de Philadelphie, Dieu va te protéger. C'est ce qu'il avait fait. Que l'empereur Tibère avait fini par reconstruire cette ville et lui donner un autre nom, la nouvelle Césarée. Mais Philadelphie était une ville très importante pour atteindre les ports de la Grèce, pour atteindre les ports d'Italie. Il fallait passer par Philadelphie. C'est ce qui était à la base de sa prospérité et sa renommée. Mais cela ne nous intéresse pas tellement. Je voudrais encore préciser que la ville s'est retrouvé dans un district viticole, c'est-à-dire une terre fertile par rapport à la culture des raisins qui donne le vin. C'est ainsi que dans cette ville-là, les gens avaient l'habitude d'invoquer Dionysus qui était le dieu de vin. Ils ne connaissaient pas un autre Dieu. Mais quand cette église commença, elle se donna tout entière à Jésus. C'est la seule église de cette église de l'Apocalypse qui était sans reproche. Dieu veut que celui qui veut vivre la puissance de Dieu soit un homme sans reproche. Vous trouvez ces gens qui ont l'habitude de prendre les enfants des autres. Un pasteur ne peut pas être un impudique. Dès que tu tombes dans l'impudicité, arrête le ministère. Va faire les chants à Bukangalonzo. Alors, quand ils abusent des filles des autres, ils disent maintenant, ils disent maintenant, un pasteur ne doit pas presser le sein des fidèles. C'est pourquoi, pour distraire les gens, c'est toujours vous irez en Europe. Quand le cœur est pis, Dieu ouvre les portes. Et les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Impudique. Abandonne le ministère. Ce message de dire aux gens que nul n'est parfait. Il vient de qui? Philippiens 3, verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, acclamons très fort pour le roi de Rome. La perfection est possible sur cette terre.
Il y avait des hommes parfaits dans la Bible. Il doit y en avoir encore. On ne laissera personne s'échouer de Jésus. Occupez-vous des droits de l'homme. Moi, je m'occupe des droits de Dieu sur la terre. Comment un pasteur peut casser les ménages d'autrui? Et vous les filles, sortir avec un pasteur, c'est un crime. Je dois vous déférer à la CPI. Quand vous êtes venus à l'église, cherchez Dieu. Nous devons réveiller cette église. Écoutez les mots qui tuent l'église du Congo. L'impudicité. L'alcoolisme. L'incupidité. On doit mettre fin à ces choses. La cupidité ronge les prédicateurs. Ronge aussi les fidèles. Le prédicateur, c'est toujours l'argent. Moi aussi, je demande l'argent. Mais il ne faut pas exagérer. Les chrétiens sont aussi cupides. Ils ne veulent plus donner l'argent à Dieu. C'est pourquoi ils mourront pauvres. Donc, là, où fonctionnait l'église de Philadelphie, il y avait un Dieu qui régnait, le Dieu de vin. C'est comme le Dieu de vin règne maintenant dans les églises de Kinshasa. Je vous demande de prier le bon Dieu. Si Dieu vous bénit, après avoir dépassé 45 ans, vous serez un danger pour l'église. Que Dieu vous bénisse avant l'âge. Je dis que laisse que Dieu puisse vous bénir avant l'âge. Mais cette église n'avait pas suivi Doinosus en Romain Bacchus, le dieu de vin. Il a refusé de suivre le peuple. Il s'est souvenu de la parole. Ils étaient attachés à la parole. Pendant qu'il est attaché à la parole, il y a les gens qui invoquaient le Dieu de vin. C'était un Dieu visible. Mais il gardait la parole de Dieu. Cette église avait quatre secrets qui faisaient sa force. Quand on a fait la lecture, la première chose, on dit: je connais tes œuvres. L'église doit être obéissante à la parole de Dieu. Tout le monde peut abandonner le Seigneur, mais toi n'abandonne pas Dieu. Il s'en souviendra un jour. Non seulement qu'ils étaient obéissants, mais ils étaient attachés au nom de Jésus. N'allez pas obéir aux choses que Jésus n'avait pas prêchées. Lisons un peu en Corinthiens 15. Premier et deuxième verset. Donc l'obéissance à la parole, ce n'est pas comme j'entends que maintenant on vous fait la purge avec l'eau salée. Non. Ça, c'est la médecine. Il faut voir merveilleux. Il faut voir le docteur Isaac. Dans les affaires dédiées à ton âge là, comment on peut vous... Non, vous êtes très courageuses, vous autres. Vous en avez un pic au bino. Et non, quelqu'un comme ça, on peut lui donner le prix Nobel de l'imbécilité? Comment à l'âge de 50 ans, un enfant peut me faire moi la purge? Lis-moi un peu. Donc, ils étaient attachés au nom du Seigneur. N'obéissez qu'à la parole de Dieu.
N'obéissez qu'à ce que Jésus avait prêché. Jésus n'avait pas des apôtres femmes. Quelqu'un m'a posé la question, il me dit: mais pasteur, si une femme est ton pasteur et que tu t'es converti, tirer au ciel ou pas? Les gens qui ont fait les raccordements frauduleux, quand la SNEL passe, on fait quoi? On coupe. Donc ce sont des choses. L'imparfait ne peut pas produire le parfait. Il ne faut pas écouter ces gens. C'est de l'escroquerie spirituelle. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Acclamons très fort pour le roi de l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie était obéissante. Mais obéissante. Attaché au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit: l'évangile ne vous sauvera que si vous le retenez tel que Paul l'avait prêché. C'est Paul qui avait prêché contre le ministère de la femme. Nous ne sommes pas les disciples d'Osborne. Nous ne sommes pas les disciples de Jean-Louis Jaillet. Nous ne sommes les disciples de Jésus. Dans l'évangile de Jésus, il n'y a pas de femme pasteur. Alléluia. Amen. Notre obéissance, ce n'est pas par rapport à la philosophie humaine. Notre obéissance, c'est par rapport à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir plusieurs femmes. Ça ne doit pas être un polygame. Et puis qui polygame n'a y a-t-il naté? Comment mon toit le pang moro basimisato? Mais oui, Azana débit à malaria cérébrale. C'est quelqu'un qu'il faut soigner. Et puis, Namona qui polygame moko. Il y a 67 ans. Moi, si il y a 14 ans, Bazo Tamula. Organisa Koko. Tu répétais Koko. Koko. Répétez après moi Koko. Koko. Donc, il y a solo comme moi, Nabato. Bible, le bique, moi, Namona, Zoto, Baboti. Mais Tata, il y a 67 ans. Abali mwana 14 ans, et sali tata abali mwana. Mwana nanga pomali baloyo. Zwange la classe, nzamba ko pobula yo. Amen. La Bible dit ceci. Bien le Bible. C'est pourquoi l'homme, ndebo emoto, mobali, quittera akolongwa son père, ipaina sa mère, maman na ye, et s'attachera kokangama à sa femme, na mwasi na ye. Possessif. Troisième personne du singulier. Amen. Matière de l'école gardienne. C'est bougre, même à l'école il était comme ça. Motoyo, il ne comprenait toujours lo, pas. L'heure est arrivée où nous devons redéployer l'image de Dieu en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Pas de polygame à l'église. Et ils trompent les gens. Ils disent que non. Si quelqu'un était venu avec ses femmes, il reste avec ses femmes. Le passage biblique qui dit que l'homme reste tel qu'il était venu, c'est là où on parlait de l'esclavage. Alléluia. Amen. Ne sortez pas du contexte. En première année de graduat de théologie, on apprend aux gens comment on fait le morcelage contextuel. Vous sortez du contexte. Celui qui a pris un polygame, c'est un impudique. Alors nous allons le laisser continuer avec l'impudicité. Bande konangai. Ce que tu as gagné, frère, moko bandao me la bangi. Tu as gagné un état, ça a été à l'église. Là où on dit que
qu'on reste dans l'état où on était, c'est par rapport à l'esclavage. Tu étais polygame, tu rencontres le Seigneur, sépare-toi d'avec toutes ses copines. L'église de Philadelphie était attachée au nom de Jésus. Mais lorsqu'on parlait du nom de Jésus, ce n'était pas le nom, non. Jésus connaissait quel est son vrai nom. Quand il descendait, il avait un nom écrit sur la cuisse que personne d'autre ne pouvait lire. Tous ces gens ne peuvent pas connaître le nom de Jésus. Pour voir la cuisse d'un homme, il faut être sa fiancée ou sa femme. C'est-à-dire que pour connaître le vrai nom de Jésus, il faut être l'époux. Le vrai nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi à Béré, les gens vérifiaient. Mes sœurs, vérifiez de Genèse Apocalypse. Aucune femme n'a prêché dans les temples. Dans l'Ancien Testament, la prédication était l'affaire des sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, la prédication était l'affaire des apôtres. La troisième qualité de l'église de Philadelphie, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. C'est ainsi que quand on nous a lu la Bible, on dit que je sais que tu es faible, mais tu as gardé la parole. Alors Dieu dit, comme tu es faible et que tu n'as pas la possibilité d'ouvrir les portes, moi Dieu, j'ouvre les portes pour toi. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus, j'ouvre pour vous les portes qui mènent au bonheur. J'ouvre pour vous les portes qui mènent au pouvoir. Entrez au gouvernement. Allez dans la diplomatie. Soyez des mandataires. J'ouvre les portes. Qu'est-ce qui pousse Dieu à envoyer la puissance? L'obéissance à la parole. Un impudique, même s'il parle en chinois, il n'a pas le Saint-Esprit. Le livre des Actes dit ceci: nous sommes témoins de ces choses. Et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Mais c'est impudique. Parle en langue. À cause. À cause. Alléluia. Amen. Le seul signe par lequel on reconnaît celui qui a le Saint-Esprit, c'est la sanctification. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même si la femme l'enferme dans la cave, il sort sans habit comme Joseph. Et ils prennent des exemples qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et Dieu s'est éboyé. C'est qui? Vous avez peur de ces gens? Ils ont beaucoup d'argent par rapport à nous. Dans leur pays, l'économie tourne. Leur gouvernement leur donne des millions. Je bénis le Congo. Je vous bénis. Moi, je serai multimilliardaire dans ce pays. Avec la sanctification. Amen. Oh, Dimishwaga était tombé. Dimishwaga n'est pas Jésus. Il n'est pas compté parmi les 12 apôtres de Dieu. Ces gens, ils vous intimident seulement en Afrique. Quand vous êtes en Allemagne, vous demandez aux professeurs allemands, je cherche Renard Bunke. Renard Bunke. Renard Bunke. C'est qui? Azanani. Je suis du haut de la chair. Azali na chair. Ce monsieur n'est pas connu en Allemagne comme pasteur. Je n'ai rien contre lui. C'est ici où il a été fait Dieu. Et quand il parle, on conteste même Dieu. Alléluia. Amen. Quand il y a la parole,
Dieu ouvre pour vous les portes. Comme vous avez écouté la parole ce matin, que Dieu ouvre pour vous les portes. Que toutes les portes qui étaient fermées devant vous soient ouvertes au nom du Seigneur Jésus Christ. Vous ne savez pas, quand Dieu ouvre les portes, vous ne forcez rien. C'est pourquoi moi, dans vos histoires-là, c'est vrai, je délivre aussi les gens. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conversion de cœur. Quand le cœur s'est converti, il y a des choses que tu ne vas pas demander. Yo, depuis Okoya, Jean-Louis Jaï, Okoya, ça y est. Les lots, bazo. On m'a dit tellement que naïbi sec ba protocole que soki mutu alinga koy de komoni azo kita olongoli maboko bamba mutu na se omona ka batu bazo koy Jesus botala bien esili parce que j'avais donné les consignes à tous les protocoles na lobana protocole nyonso oké campagne mutu azo salager papa milimu mabe bamba ka batu na se to boite mutu molimu mabe bamba ka na se a contrôler ka liputa te ya Congo avoir koy azo bongisa liputa azo kende boy. Nous avons protocole qui est en train de se faire. Dès que nous avons un peu de temps, nous avons une campagne qui est en train de se faire. Nous avons une campagne qui est en vous vous faites du mal. La délivrance, ce n'est pas ces gesticulations. Quand le cœur est converti, les portes s'ouvrent. Est-ce que j'ai dit que je suis contre la délivrance? Je suis contre les aventures de Kinshasa. Amen. Amen. La troisième qualité de l'église de Philadelphie, c'était la conviction par rapport à Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu dois être convaincu que Dieu n'abandonne jamais les siens. Sa paix n'est pas marché aujourd'hui. Sa paix n'est pas marché demain. Le lendemain, ça marchera. C'est ainsi que vous le trouvez. Il change des églises chaque année. Nazolu Kanzambe. Balu Kanzambe n'engwanate. Balu Kanzambe na kopetola nini? Motema. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons dit 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 que nous quand le cœur est pire, il y a des choses que vous n'allez pas demander. Mais Dieu lui-même va ouvrir les portes. Nous prions avec toi. Tu fais les aventures. Quand tu es à la cité, on te presse les seins par les garçons. Tu ne dis rien. Tu auras le cancer des seins. Nous prions avec toi. Mais quand tu rentres chez toi, tu prends la boisson alcoolique, tu auras le cancer de gorge. Le christianisme, ce n'est pas tellement ce que nous voyons, mais c'est ce que Dieu voit dans l'invisible. C'est Dieu qui connaît qui est dans le secret. Ici, tout le monde est gentil. Mais à la maison, là où tu travailles, quand on vole, tu es aussi dedans. Vous avez appris que le chef de l'État a porté plainte. Quand je vous disais qu'il y a des dirigeants voleurs, vous ne me croyez pas. Aujourd'hui, j'ai la preuve. Le chef de l'État les a traduits en justice. Moi, je porte plainte contre tous ces gens, même ceux qui sont cachés, je les accuse auprès de Dieu. Seigneur, commande Léopold, dis-le-lo, obayibambongo au Congo, kangelanga bango. Et motivez-moi, dis. Et après, Nassima, ils vont tromper que le Congo n'a pas d'argent. L'argent, c'est pour qu'ils volent. Miso les apote bango baiba. Les chefs de l'État les ont accusés. Moi aussi, je porte ma plainte contre eux. Auprès du Seigneur. Nous parlons de quoi ce matin? Acclamons d'abord pour Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois.
Nous parlons de l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. Historiquement, Philadelphie a existé. Cette église-là existait. Dans l'Asie mineure, c'était l'église modèle. Elle fonctionnait dans un pays où le vin était la vie des hommes. Mais elle n'avait pas touché à cela. Ils avaient gardé la parole. C'est le plan prophétique. L'âge de cette église s'est accompli. Au 18e et 19e siècle, il y avait plusieurs personnes à la tête de ce réveil qui amenaient le pentecôtisme. Je vous ai parlé de Philippe Jacob Spener d'Allemagne. Je vous ai parlé de Nicolaus Von. Je vous ai parlé de Wesley. Je vous ai parlé de Jonathan Edouard. Je vous ai parlé de George Whitefield. Je vous ai parlé de Charles Chanel. Mais de toutes ces personnes, celle qui avait la plus grande grâce, c'était Wesley. Il a sorti l'église du sommeil. Il a ramené les prières intenses. Il a ramené la vie des jeunes multipliés. La puissance de Dieu était tombée dans l'église. Pour votre information, vous le savez, de tous les chantres que nous avons ici, il n'y a pas de chantres qui ont fait des chansons comme ce qu'on trouve dans les cantiques de victoire. Même s'ils se fâchent, je m'en fous. La plupart de ces chansons-là sont les compositions de Wesley. Il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. Quand on chante les cantiques qu'on appelle les cantiques protestants, vous sentez le Fils de Dieu bouger. Pourquoi? Parce que Wesley, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'était l'aspect prophétique. Mais il y a l'aspect évangélique. Aujourd'hui, Philadelphie, c'est toi, c'est moi. Dieu veut que nous puissions être obéissants. Acclamons pour le roi d'eux. Bien-aimé, Philadelphie, c'est toi. C'est moi. Dieu veut que nous soyons obéissants. Que nous nous attachions à son nom. Que nous expérimentons sa puissance. Que nous ayons la foi. N'ayez pas peur de ce que vous voyez. Votre maladie partira. Votre misère partira. Votre souffrance se terminera. Parce que celui en qui nous avons cru, il est le solutionnaire par excellence. C'est le patron qui n'est jamais tombé en faillite. Et le médecin qui ne tombe jamais malade, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il marcha sur les eaux, des choses comme ça. Il n'y a que lui qui peut le faire. Mais écoutez la promesse faite à Philadelphie. On dit que comme tu fais tout cela, je vais mettre sur ton front trois noms. Acclamons très fort pour le trois noms. Le nom de mon père. Le nom de la ville de mon père. Et mon nom à moi-même. Dès que tu obéis à la parole, le père, tata, le fils, Mouana, et le Saint-Esprit viendront et habiteront en toi. Quand ces gens-là habitent en toi, personne ne te fera du mal. C'est pourquoi il avait dit, c'est de la synagogue de Satan qui s'appelait Juif. Je vais les envoyer. Ils vont se prosterner devant toi, Philadelphie. Ce matin, je voulais te dire, comme tu as la parole de Dieu en toi, c'est de la synagogue de Satan. La pauvreté, les maladies, les blocages, les complications, les difficultés vont se mettre à genoux devant toi. Laisse que des petites choses comme des voyages se mettent à genoux devant toi. Amen. C'est ça le message qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je dis que c'est ça le message. Je suis en train de dire que c'est ça le message. Je dis que c'est ça le message.
Je dis à quelqu'un que c'est ça le message que j'avais pour vous ce matin. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les serviteurs. Qu'il bénisse les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse les de l'église et mages de l'éternel. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé. Boyaka moto te atayonza limabe ngegenyosa akobenga yonsolo uzunga epaina ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu Babunga kikala Nakatinya Yalo pango ya tatao Yoko zonga Epaina Yesu Epaina Yesu Yoko kota Nakatinya lo pango